Bonjour Laetitia, Bonjour Alex. j'ai invité Laetitia Mendes qui est notre partenaire en termes d'image. Tu as une formation en com et ensuite tu t'es orientée plutôt vers l'image. Tu as fondé en 2011 l'agence Charisme qui s'adresse à des particuliers en termes d'image mais aussi des professionnels et tu gères même la Charisme Academy pour gérer des conseillers en image. On appelle ça comme Pour ça? faire de la formation sur les personnes qui Pour souhaitent former les conseillers en image. devenir consultant en images. Exactement. Ce que ton agence a de particulier, c'est que c'est un centre de formation agréé. Et aujourd'hui, tu animes des chroniques à la télévision et dans d'autres médias. Donc, Exactement. je voulais profiter de ton autorité pour avoir une petite discussion dans cette vidéo. On va commencer avec les fautes de goût et de style que les femmes détectent tout de suite chez les hommes. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on est un public non averti, il y a des règles un peu assez universelles. C'est pas pour moi des fautes de goût, très clairement. En revanche, on peut être sensible à un certain nombre de choses et du coup de facteurs en fait en commun qui font que quand on voit un homme pour la première fois, typiquement, si déjà on sait qu'il n'a pas pris soin d'avoir une chemise par exemple repassée, d'accord? Du laisser Ça, aller. c'est rédhibitoire. Du laisser aller. La négligence sur les chaussures, qu'elles ne soient pas cirées, typiquement. Après, on peut avoir Est-ce qu'il n'y a aussi pas des un tissus. contre-exemple? Je pense à une coupe de cheveux délibérément un peu, comment on appelle ça, sortie du lit. Oui, alors si, bien sûr. Quand on Ou veut la barbe de trois avoir un jours. effet un peu faussement Ouais, c'est négligé et que du coup, ça. on se donne un côté un peu sauvage, un peu plus rock'n'roll. Oui, si. Après, ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, c'est pas les mêmes règles. On va dire aussi sur la partie vestimentaire. L'hygiène doit quand même, je pense, vraiment être au cœur du sujet. Et je pense que, typiquement sur la chemise comme sur les chaussures, en tout cas, on ne peut pas ou venir avec une paire de chaussures trouées, ou venir avec, encore une fois, une veste ou un tissu un peu élimé, un tissu qui bouloche, qui a un peu vieilli. Tu vois, là, pour le coup, ça montre quand même qu'on n'a pas forcément soigné ce rendez-vous ou en tout cas cette rencontre. Ouais, c'est la Et différence entre un négligé étudié et un laisser-aller. exactement, et un laisser-aller. Après, de la même façon, une chemise qui est pas vraiment blanche quand les couleurs sont ternes aussi. Voilà, ça peut être une faute de goût. Sauf si elle est vintage, Sauf si peut-être. elle est vintage. Alors, oui, bien sûr, c'est toujours la même chose. Vintage, ça voudrait dire qu'il faudrait raconter aussi l'histoire de la chemise pour qu'on comprenne en fait pourquoi est-ce qu'on a été la dénicher et du coup pourquoi est-ce qu'elle peut paraître pas vraiment nette au départ d'un premier coup d'œil. Après, voilà, il y a les règles aussi de la règle des trois couleurs. Pas avoir Qu'est-ce que c'est forcément, ça? alors pas avoir forcément un look qui soit carnavalesque. Dans le sens où on Faut pas a ressembler à un marié, arc-en-ciel. voilà, où on a marié et mélangé des couleurs parfois improbables. Alors il y a des looks très créa qui le permettent, mais c'est vrai qu'au premier coup d'œil, on se dit, oh, voilà, est-ce qu'on a fait des bons mariages? D'ailleurs, on est souvent quand même, et les hommes sont quand même sur des teintes relativement urbaines, et d'autant plus sur Paris, même Quoi, si des ça, gris, des beiges. des gris, des beiges, des couleurs relativement neutres. Pour le soir, c'est vrai qu'il y a des couleurs comme le bleu nuit, par exemple, ou les bleus marines qui passent aussi très bien, toutes les gris anthracite. Voilà, typiquement, on est quand même sur des choses qui sont d'une façon universelle un peu plus appréciée par tous, en fait. Donc l'idée, c'est C'est aussi, plus facile de pas se tromper. c'est plus facile de pas se tromper. Après, la couleur qui va venir faire la différence, c'est celle que vous aurez choisie et qui, du coup, sur un look relativement monochrome, va vraiment permettre d'attirer Tu veux l'attention. dire un accent? Ça peut, exactement, c'est exactement ça. C'est un accent qu'on peut faire avec, par exemple, une écharpe, une étole, et ça nous fait presque une jolie transition vers justement toutes ces petites choses qui font que dans les finitions, on peut avoir, voilà, une personnalisation qui est intelligente et qui permet vraiment de montrer qu'on a voulu faire. Ça peut être des boutons ou des coutures, des Alors les coutures boutons. orange. Exactement, les boutons de manchette. J'ai déjà vu des lacets, c'est hyper original aussi. J'ai déjà vu des Exact. doublures de veste où Ah ouais, c'est bien très sûr. sympa. Donc une surpiqûre, tu le disais, avec des Des couleurs, coudières. des coudières par exemple. Ça se fait de plus en plus. Quand on parle de foulard aujourd'hui, on parle de chèche ou d'étole aussi. Ça, c'est très Je suis sympa. curieux sur le coup de la règle des trois couleurs, parce que notre audience est relativement néophyte.
C'est un maximum les trois couleurs ou c'est l'optimum qu'il faut viser? En fait, deux couleurs, ça va aussi. Trois couleurs, ça va très vite. On peut être sur un look bicolore, surtout pour les élégants. Souvent, c'est des contrastes en fait en noir et blanc, par exemple, ou avec du gris aussi, donc qu'on peut marier avec des beiges. Et puis là, on va rajouter la petite couleur supplémentaire. Mais il faut partir à la base sur quelque chose de neutre. Mélanger, par exemple, ça se fait. Encore une fois, mais c'est vrai que c'est compliqué de savoir bien assortir les couleurs complémentaires. Il y a vraiment des règles en colorimétrie qui font que si justement on n'est pas très au fait de ces mariages, pour éviter le fashion faux pas, voilà, pas être dans un look totalement bariolé avec des couleurs trop criardes. Quand tu dis les couleurs complémentaires, il me semble que c'est un terme technique. Tu peux nous donner un exemple de deux couleurs qui clashent et de deux couleurs qui sont dites complémentaires? Alors en fait, dans les couleurs complémentaires, c'est des couleurs opposées sur un cercle chromatique. Donc par exemple, on peut marier, et ça c'est complètement improbable au départ, du jaune et du violet. Ouais. Voilà, faut le savoir. On peut le faire aussi avec du bleu et du rouge, par exemple. Ouais. Voilà, ou du rouge et du vert. Aussi, ça fonctionne. Mais ce qui va, par exemple, être un peu plus compliqué, c'est effectivement, dès lors où on va rentrer dans une considération où on va être au-delà de trois couleurs et on va venir mélanger, par exemple, je te dis, du marron, du violet et puis, par exemple, on va dire un vert kaki. Ouais. Tu vois, là, pour le coup, on comprend pas vraiment le chemin qu'on a voulu emprunter. Et c'est vrai que ça donne une cacophonie un peu... Voilà. Un peu colorimétrique qui fait qu'on perd la force et l'impact qu'on peut avoir en utilisant et en ayant vraiment ce jeu de couleurs qui peut être assez sympa. Sur les camailleux, ça se fait beaucoup aussi, des dégradés dans une seule et même teinte, par exemple. Ouais, du ça, bleu c'est clair, très du apprécié. Bleu foncé. Voilà, du bleu clair, du bleu foncé. Il y a pareil sur les camailleux de lilas, mauve, parme, prune. Tu vois, on peut aller sur des choses un peu Alors comme ça. C'était pour les couleurs. Qu'en est-il des tailles? Parce que ça te paraît sûrement élémentaire, mais tu serais étonné le nombre d'hommes qui viennent nous consulter et qui ont des vêtements qui sont pas à leur taille. Oui, surtout qui sont trop grandes. Et quand tu parlais de faux pas, moi je remarque souvent que dans le trop grand, c'est l'idée d'avoir envie de développer un peu sa carrure. Ah, on a des ça, vestes XXL sur des hommes qui font du XS. Donc oui, c'est le côté vraiment, je veux pousser pour montrer un peu ma virilité. Tu crois que ça vient d'un inconscient pour se développer musculairement? En tout cas, pour donner cet effet un peu 3D de relief. Peut-être que c'est juste une question de confort. Peut-être qu'un homme qui n'a aucune connaissance en style, il veut juste aller vers du confort et qui se dit que si c'est pas serré, bah forcément, il sera plus à l'aise si c'est grand, donc il va vers du trop grand. Ça peut marcher sur des pulls, sur de la maille. On peut éventuellement prendre cette explication-là. Maintenant, on le trouve beaucoup sur les manteaux et sur les vestes. En ce moment, qui sont vraiment très épaulées. J'ai une copine qui bosse chez Armani et je l'ai vue avec un pull beaucoup trop grand. Et visiblement, elle avait fait exprès, donc ça doit être une mode du moment. Alors oui, on est sur des codes, ce qu'on appelle un peu oversize. Ouais, donc, mais pour des silhouettes très androgynes. Ouais. Et puis surtout. Ça veut pas dire que mes clients sont tout d'un coup devenus à la mode parce qu'ils sont oversize. Non, mais c'est surtout qu'en fait, il y a vraiment une morphologie qui permet l'oversize, d'autres un peu moins. D'accord. Et qu'on a vraiment une volonté dans l'oversize qui est aussi très siglée. Quand on a envie de donner un effet un peu plus couture à la façon dont on peut porter de cette façon nonchalante un vêtement trop grand. Donc c'est des manches trop grandes. Voilà, c'est plus pour donner et démarquer une allure que vraiment de travailler son look sur des vêtements trop grands. Il y a vraiment un art aussi de l'oversize. Donc d'où l'idée aujourd'hui, quand même si on a envie d'aller venir chercher, et c'est ça, quand on rencontre aussi un homme, quand on a des contacts professionnels qui peuvent être même la signature d'un contrat. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir un look le plus professionnel possible. Donc forcément, des vêtements qui vont être tout autant, en gardant leur confort, des vêtements ajustés, qui vont mettre en avant aussi la personne et pas la dissimuler sous un amas ou sous des vêtements de trop grande taille. Alors, comment faire la différence en pratique entre ajusté et trop petit? Pour l'homme qui nous regarde, comment est-ce qu'il peut savoir si le vêtement est à la bonne taille? Déjà, une chemise avec les boutons qui tirent. Ah, oui. Là, on sent qu'on est vraiment dans
l'étriquet du vêtement qui, dans le trop moulant, voilà, donne cette sensation au coup d'œil, au premier coup d'œil, que le vêtement n'est pas à votre taille. Ouais. Pareil pour les pantalons qui vont avoir les poches qui auront tendance à tirer sur le pli du pantalon. Ne pas hésiter aussi à demander, parce qu'aujourd'hui on fait des reprises juste à la ceinture d'un pantalon pour garder l'aisance aussi, mais pas trop de volume autour des cuisses, de voilà, d'essayer de donner un petit peu de mousse sur la ceinture pour que ce soit moins serré. Ok. Voilà. Et ben on sent une certaine profondeur d'expertise, je dois dire, dans les termes utilisés. C'est une science. Ouais, ah, carrément. C'est une science. J'aurais cru que c'était plutôt un art. Non, c'est parce une que science. C'est très visuel. C'est une science du vêtement quand même, parce que il y a des côtes, qu'une morphologie comme une coupe de vêtement, la façon dont on va tomber un vêtement, ça se calcule, donc ça se pense, ça se maîtrise. C'est relativement rigoureux. En fait. Il y a une vraie rigueur. D'accord. Et ça demande à être réfléchi. Même si, bien entendu, il faut rester quand même dans le spontané. L'idée d'ouvrir son placard le matin et d'avoir envie aussi de calquer à son humeur du jour en fonction de tel ou tel vêtement, ça aussi, c'est super important. Ouais, ouais. Parce que c'est ça qui va faire la différence et qui va faire que ce jour-là, vous allez avoir envie de porter peut-être votre boxeur fétiche. ou une pièce qui va venir... Peut-être on s'habille pas pareil quand il fait grand beau temps que quand c'est pluvieux. Oui, c'est pas que la météo, je dis encore une fois, en fonction des personnes que vous allez rencontrer et de ce que vous allez faire. Je dis ça, mais est-ce que je peux te demander, Laetitia, de montrer tes chaussures? Parce qu'aujourd'hui, voilà, on voit, c'est pailleté. C'est pailleté avec une jolie semelle rouge. On peut dire que tu rayonnes aujourd'hui, alors qu'il fait super gris aujourd'hui et il flotte. Donc, il faut croire que tu te sens... Et j'ai une matière en résille très légère, très fine. Alors, je dis souvent que le soleil vient aussi du cœur, donc forcément de son aura, de la façon dont on a aussi envie de réchauffer l'atmosphère. Donc oui, utiliser un certain nombre de codes pour pouvoir apporter cette lumière et la porter, en fait. Porter cette lumière soi, sur soi, c'est ultra important. Donc oui, pas toujours se fier, même si évidemment, quand il fait moins 15, on recommande quand même, alors si c'est pas la doudoune, en tout cas, le manteau en lainage adapté pour pas prendre froid. Mais à défaut de la technicité d'un produit, pour répondre effectivement aux conditions climatiques, c'est bien aussi d'imaginer ce qu'on a envie de dire, la symbolique, et le message qu'on veut véhiculer aux personnes qu'on va rencontrer. Donc moi, c'est plutôt la joie de vivre et plutôt le côté pétillant. Donc je mets des paillettes. Ça me paraît un bon message. 365 jours par an. Ah, c'est vrai. Mais c'est un peu le mot d'ordre. OK. J'aimerais bien voir un jour ton placard à chaussures. Ça, bah il est vraiment plein. Éblouissant. Il est vraiment plein à craquer, mais c'est sûr qu'en tout cas Ouais, pourquoi je suis pas étonné. Alors, maintenant, Laetitia, les détails stylistiques qui font la différence auprès des femmes. Alors, on en a un petit peu parlé sur, justement, ces petites finitions. Le bouton, par exemple, d'une veste peut être recouvert. On n'y pense pas toujours. Il peut y avoir un tissu. Parfois, ça peut être du cuir. Parfois, ça peut être un peu de feutrine. Exact. Voilà, ça, c'est hyper chouette. Bien penser à avoir les chaussettes raccord de la couleur du pantalon. Parce que je trouve que ça aussi c'est quelque chose qui fait que on a cette subtilité qui dénotera pas forcément de la soquette de tennis blanche, parce que ça je le vois encore trop souvent, et il faut penser à ça et du coup à ses sous-vêtements aussi, pas garder forcément le t-shirt. Enfin, la soquette de tennis blanche, tu la vois même avec des chaussures de ville, tu veux dire? Non. En fait, il y a différentes longueurs de pantalon. Maintenant, c'est même le pas de chaussettes. On arrive à avoir dans des toutes petites baskets la micro-chaussette pour justement dissimuler. Parce que c'est vrai que c'est pas très sexy. La grosse chaussette épaisse ou à motif. Voilà, on est passé quand même sur des choses où on a envie d'avoir justement dans le fini de la toilette quelque chose qui soit assez classieux. Même quand on est dans des tenues très décontractes. Donc voilà, le sous-vêtement aussi invisible, de la même façon, on le dit pour les femmes, mais c'est bien dans les pantalons qui sont de plus en plus slim, moulants, d'avoir soit le slip, soit le boxer sans couture, de pas forcément avoir aussi un t-shirt apparent sous les chemises, parce que même pour les plus frileux,
c'est pas toujours chic non plus. De voir le petit détail du liseré parfois dans la chemise qui est pas vraiment boutonné ou pas cravaté, on porte pas toujours la cravate ou le nœud pape, et du coup, ça c'est des petites choses par exemple auxquelles il faut penser. Je suis en train de me faire la remarque, les sous-vêtements, ça doit jouer sur le mental, même si ça se voit pas à travers les vêtements. C'est la première peau. Bah ouais. Seconde peau. C'est ce que vous habillez au plus propre de vous. Donc voilà, c'est de la même façon qu'on le dit, c'est aussi avoir un rapport dans lequel vous devez vous sentir coquet aussi, d'avoir eu l'effort de choisir de jolis sous-vêtements. Pour les hommes, c'est important. On fait l'accompagnement aussi. Ça peut être une monture de lunettes, par exemple, Alex, dans cette accessoirisation-là, qui peut aussi beaucoup révéler sur la personnalité, sans pour autant éclipser. Je suis pas pour forcément des modèles qui vont tout de suite être, encore une fois, trop criards, mais en tout cas, qui vont donner un intérêt réel sur la façon dont on a aussi envie d'être vu. Surtout que ça habille aussi tout de suite le regard, quand même un contact privilégié. Ça peut être le bijou, de plus en plus d'hommes ont envie aussi d'avoir... Quel genre de bijoux pour un Alors, par exemple, gourmettes, bracelets, montres aussi, bien entendu. Sûr, on a des petites choses qu'on retrouve. Alors, dans le côté vintage que tu disais, on a beaucoup de montres à gousset qui reviennent. Des quoi ? Des montres à gousset. C'est quoi ? Avec la petite chaînette, tu sais, c'est les montres qui se baladent, qui sont forcément les montres qu'on peut avoir. Mais oui, mais en fait, c'est très d'époque. Mais en même temps, ça revient dans une époque où on a aussi envie d'être dans l'originalité. Donc voilà, par exemple, ça peut être... Je vais peut-être ressortir celle que mon arrière-grand-père m'a léguée. Ça pourrait être l'occasion. Et mais voilà, ce qui te donnerait déjà un premier indice sur ton socio-style, puisqu'il y a beaucoup de tradis qui ont envie de porter des bijoux de famille, ou en tout cas qui portent des histoires et qui vont du coup voilà s'habiller parfois, comme tu le disais, sur des dépôts-ventes, sur des boutiques un peu plus antiques, pour avoir vraiment voilà ce rapport avec l'histoire et d'où je viens et pourquoi je porte ça. Tout ça, ça a aussi énormément de sens. On va pas aller plus loin parce que justement, c'est une parfaite transition vers notre deuxième vidéo. Donc, je t'encourage, toi qui regardes, de regarder la deuxième vidéo parce qu'on va parler du socio-style justement. Et pour clôturer cette vidéo-là, bah, Laetitia, comment on fait pour aller plus loin avec toi, avec l'agence Charisme ? Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, à l'ère web 2.0, vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux. Évidemment, sur Facebook, on a une page. Ouais. Sur notre site internet, www.charisme.fr, qui s'adresse autant aux particuliers qu'aux professionnels. Je mets le lien dans la description. Voilà. Il y a des coffrets qui sont des coffrets tout près, comme on peut faire aussi de l'accompagnement à la séance en fonction du besoin. Un coffret, c'est quoi ? C'est un forfait d'accompagnement ? C'est un forfait d'accompagnement qui permet de passer une journée. Alors, on évite d'utiliser ce terme qui, aujourd'hui, veut tout dire et rien dire de relooking. C'est plus dans l'évolution. Donc, on fera évoluer notre client dans la journée en l'accompagnant au shopping, en lui donnant cette analyse colorimétrique au départ, en travaillant aussi sur son objectif image à lui, parce que c'est différent quand, même si ça se complète, si on a envie de conquérir une jeune femme ou si on a envie de conquérir le monde plutôt dans un objectif, là pour le coup, un peu plus professionnel. Okay. Donc, voilà, en fait, il y a différentes formules et différents coffrets qui permettent aussi en une journée de faire déjà un bon tour d'horizon ensemble sein de l'agence. Entendu, voilà. À suivre et merci pour ta participation et ton expertise. Merci à toi beaucoup. Au revoir. Au revoir.